Tour d'horizon sur la Loire, le pont de Saint-Nazaire, la solitaire du Figaro 2021. Premier coucher de soleil de cette solitaire du Figaro 2021. Plutôt un bon début de course parce qu'on a que deux bateaux devant. Et là on voit les copains juste derrière. Le lit ici avec le pouf et la couette. Là on vient d'avoir le bulletin météo de ce matin. Et après ça, petit déjeuner. On reprend les bonnes habitudes de la transat avec des œufs brouillés, un thé et un peu de pain. Et après ça, on se fera une petite toilette comme à la maison, dans un bon rythme. 9e Bretagne, CMB Océane à 1002. Il est 18h30, lundi, deuxième jour de cette première étape. Et ça va être l'heure de l'apéro. On va aller chercher un petit truc à grignoter. On a eu une belle journée, des belles conditions, et je dois vous avouer que ça a peut-être été la plus belle journée de cette solitaire aujourd'hui. Champagne sailing. J'ai installé le pouf et la couverture en extérieur. Pas mal le petit spot dehors pour pouvoir regarder ce qui se passe autour. Voilà. Sur la tranche là-bas derrière sous les nuages, c'était l'Espagne. Yo, les deuxièmes et on remonte de l'Espagne. On a fait une bonne partie en tête et on s'est fait doubler et après on a tapé un safran. Voilà, j'ai cru que la solitaire du Figaro était finie, mais bah, ça marche. J'ai réussi à faire 40 000 avec le safran coincé piste et chaud de chez chaud, mais bon. Là c'est bon, là on remonte au près, c'est plus facile. Faut content d'être là, le plaisir. En direct du port de près, le plus long de toute l'histoire du Figaro 3. Ça fait bien 200 000 qu'on y est. Pour être honnête, j'ai même eu le droit à un petit mal de mer. Gaston sur Bretagne, CMB Espoir. Voilà, c'était première étape de la solitaire. Et là, on est sur la dernière nuit pour rejoindre Lorient. Et je suis en contact avec toujours Elodie Bonafou. Elle me lâche pas. On a passé la bouée Faranès en Espagne ensemble. Et là, on est encore collé. Allez, juste là. Je sais pas si on la voit. Skippeuse Océane. Et là ça s'est bien calmé, il y a encore un peu de mer mais c'est pas mal, voilà, ciao. Petit moment d'accalmie et on est mercredi fin d'après-midi et on a un beau ciel bleu et on pouvait pas rêver mieux pour faire sécher un peu tout, enlever les bottes, c'était humide là-dedans. Ooh.